Salut à tous, c'est le Gratteur Fou. Là, je vais faire une tentative sur le Ninja OS, jeu que, bah, qui m'a bien plu. Alors, pot de départ 3000 balles. On va commencer avec des mises à 20, on va pas trop abuser. Alors, les free spins d'entrée, ça aurait été trop beau. Que le Ninja Waze va être aussi généreux que la précédente fois où je l'avais testé. Ça, c'est jamais garanti avec un jeu de machine à sous. Alors mise à 40 balles, faudrait que le jeu y paye quelque chose, parce que sinon la balance va se prendre une sacrée tarte. Ok, 160. Alors, un de plus. Mais il n'est pas là. Ouais, il faut qu'il saute de façon adjacente, 5 de gauche à droite. Faire un petit retour sur des mises à 20. Alors, moins 500 balles par rapport à la balance de départ. C'est pour avoir un retournement de situation de la part de ce jeu, ça bien sûr c'est pas garanti. Les spin perdant, c'est clair que les mises à 40 balles ça défonce la balance, enfin pour le moment. Alors est-ce qu'il me file un win correct? Un petit coup d'œil par là, 2024. Alors, si je viens de sortir, pas énorme. Alors deux de plus. Ah, ils sont pas là. Hop. Là, je pense que la mission free spin va peut-être être un petit peu compliquée.
Ah ouais, j'attends qu'il me lâche les free spins, mais ça c'est... Il n'y a aucune garantie que le jeu il va les filer. Alors super ninja, hop. Allez, deux de plus. Ils sont pas montrés. Les mises à 40 balles, de longues séries de spins perdants, du coup ça a bien rogné la balance. C'est clair que ça peut pas payer à tous les coups. Dommage pour le rouleau 5. Allez, pendant un beau truc, pas énorme. On monte à 2000 balles, mais bon, on est quand même commencé à 3000. Alors les free spins, est-ce qu'il va finir par les raquer? Ah, lignée complète. 12. Ouais, pas de free spin, il suffit que j'augmente les mises à 40 balles pour qu'il me balance des spins perdants. Ouais, là c'est pas top. Spin perdant sur spin perdant à 40 balles. Allez, 2 de plus. 2 de plus qui sont pas là. Pendant un beau truc. Alors rouleau 4, est-ce qu'on va avoir de... Eh non, pas de même symbole. Alors white fois 2. Ok, 432, on remonte à 2392. J'attends que le jeu me pende des free spins, mais bien sûr il n'y a aucune garantie pour qu'il les lâche. Allez, deux de plus qu'on attend, qui sont toujours pas là, voilà, un rouleau près. Alors un seul de manquant, ben voilà, il est toujours pas là. Allez, la série de spins perdants qui va bien sur les mises maxi. Allez, deux de plus.
Parce qu'on va en avoir sur le rouleau 4 et non pas un seul. Alors, toujours à 2000. Là, ça risque de dégringoler d'un trait. Eh ben, un de plus, qui comme par hasard, ben voilà, il n'est pas là. Il n'était pas sur le bon rouleau. Alors, là ça va raquer un big win. Bon, c'est que des mises à 20 malheureusement. Et ouais, 360. Ça aurait fait 720 pour des mises à 40. Alors, est-ce qu'il va se décider à me balancer les symboles free spin? C'est ça, mise à 40. Et allez, mise à 40 balles, on se tape une série de spins perdants. Deux de plus, comme par hasard ils vont être pas là, ben voilà. Et ben voilà, c'est ce que je redoutais, la mauvaise série de spin perdant en mise maxi. Hop, alors celle-là elle défonce la balance. Alors est-ce qu'il va nous faire un retournement de situation? Ouais, pas énorme, pas grand chose. Free spin là, ça semble plus que compliqué. Je pense que je vais me fixer limite vers les 1000 balles. On va tenter de limiter un petit peu la casse. Ah bah aujourd'hui les ninjas ils sont pas au top de leur forme. Ah bah c'est clair que j'étais bien plus chanceux sur la précédente fois où j'avais testé ce jeu. Enfin bien sûr, sur les machinations on ne peut pas tout le temps être chanceux. Alors 1580. Bon, les free spins, je crois que c'est peine perdue. Il n'est pas décidé à nous balancer tous les symboles.
Alors 1546. Série de spins perdants qui va bien. Et on a 5 symboles adjacents à partir de la gauche. Bon, il n'aura pas voulu nous les filer. Alors, Super Ninja, hop. Ça va pas payer lourd. Ouais, que les free spins qui pourraient nous sauver apparemment. Bon là je crois que sur cette partie c'est râpé, ils vont pas sortir. Et ouais, là je m'approche de ma limite fixée à 1000 balles. Zéro free spin, zéro win du coup. Alors Super Ninja. Un de plus, le petit rat qui nous l'a pas lâché. Alors, Big Win, ça va pas être énorme, 320. Bon, on remonte à 1006. Pas l'affaire, j'aimerais bien qu'il me prenne des free spins. Vu que ça sort de façon aléatoire, ça peut très bien sortir comme ne pas sortir. 2 de plus. Et ben voilà, un rouleau près. Je vais rester sur des mises à 20, fini les mises à 40 balles. Vu que je me suis fixé une limite à 1000, je préfère rester sur des mises à 20. Un, deux de plus. Voilà, on les attend toujours. Balles de gagner, on va faire deux spins à 40. Dommage. Et voilà, rien au final. Bon bah c'est foutu, le grand gagnant c'est le casino. Casino is the winner. Ah, dommage. Bon, ben, je suis passé en dessous de la barre des 1000 balles, on va en rester là, 990. Le joueur a poursuivi la partie, puis éventuellement ça se termine à 0.
Alors, on va voir ce qu'on va voir. Mise à 20. Allez, go. Et ouais, une seule plume au cou, ça commence mal. Ouais, des fois, sur ce genre, on a les barres de bonus quasiment à fond. Puis, quand les mousquetaires apparaissent, c'est une seule plume au cou. Eh ben, une seule plume. Alors, on va quand même bien décrocher un bonus avant d'arriver à zéro. Une seule plume. Alors, tu refais la même. Oh! 5 jokers aléatoires. 214. Alors, big pépette, big pépette. Je pense pas que ça va être très très big. Ouais, 394. 1176. Bon, bah, ça nous laisse un petit peu de marge pour aller chercher les bonus, mais. Lui se lâche un peu, ça y est, il lâche un peu plus qu'une plume au cou. Alors, complétée quasiment à moitié celle-là. Bientôt, hop. Allez, rejoker aléatoire. Alors, big pépette, 300 balles. Allez, go pour le bonus. Alors lui, c'est le petit rat. Il nous file une offre. Si on l'accepte, on la décline. Des fois, quand on la décline, il nous file des cacahuètes par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il va nous filer ici? Un 300, 300. Ouais, on va accepter. Je me méfie, parce que si je décline, autant il me file 20 balles. Allez, premier bonus 300 balles, pas énorme. Alors on est quand même monté à 1005. Vas-y, vas-y. Allez, go. Allez, c'est reparti pour le bonus de l'offre. Ce qui va être un peu plus généreux. Alors on a 1416. Ah, 800 balles, ça j'accepte. Je vais pas décliner. Et bah, du coup on monte à 2002, jolie performance de la part des mousquetaires. Alors du coup le bar bonus hop quasiment presque à moitié, le wheel bonus pareil. Ouais, c'est ce que j'explique en début de partie, c'est le problème avec ces barres de bonus quand elles sont pratiquement complétées à fond. Ça incite le joueur à poursuivre la partie. Allez, vas-y, go, go, go. Allez, bravo, wheel bonus. Bon, si ça rack du lourd, je pense qu'on va rester là. Alors, on me file pas un truc minable. Non, pas le x15.
Oh, fois 138. Ok, j'allais dire, je préfère me taire. Je pensais qu'il allait me filer un truc minable, le fois 15, le fois 25. Alors, 138 fois 20, ça fait un joli montant. 2760, ben on remonte à 4776. C'est quand même un sacré miracle. Voilà, franchement, ça me laisse scotché. Bon, je vais quand même tenter de chercher le bar bonus, éventuellement le bonus de l'offre. J'aurais pu faire un arrêt de partie direct, mais quand même, on va tenter de gratter d'autres bonus. Vu que là, on a eu deux bonus très généreux, peut-être que le troisième, sera pareil. Dommage qu'une seule plume au cou. Allez, on ne balance pas qu'une plume là. Allez, go pour celui-là. Qui va être autant généreuse, qui va me pondre les 800 balles. Hmm. 300, on va tenter le décline. Mais là, je sens que je vais me faire escroquer. Il va me filer 20 balles au final. 510, accepte. Bah, c'est quand même rare que les mousquetaires y raquent autant au bonus. Alors, 4008. On va tenter de gagner le bar bonus, puis éventuellement on en restera là. Très bien. S'il me balance qu'une seule plume au cou, je crois qu'on est mal barré. Miraculeuse que là c'était pas garanti du tout de pour que les bonus soient autant généreux. Une seule plume au cou, hein. Ça fait une plombe qu'il aurait pu me la compléter. Là, ça va être le piège. Salut. Allez. Bonjour. Alors, on est à 4090. Vas-y. Alors, on passe en dessous de la barre des 4000, on va attendre que les bonus se manifestent. En attendant les prochains bonus, j'espère que ça va pas trop déglinguer quand même la balance. Là, on est passé de 4005 à 3758. Alors celle-là, elle est presque complétée.
puis là s'il faut 0 mousquetaire, ça peut redégringoler à 1000 balles. Bonjour. Eh ben le bar bonus il était plein. Alors espérons qu'on puisse grimper au niveau des multiplicateurs. C'est pas évident d'arriver à l'exclusive room. Allez, c'est parti. Allez, faudrait que tu te barres dans l'autre pièce. Allez, on reprend le même, celle du milieu. Va pas là sur le x18, barre-toi dans l'autre pièce. Ok. J'ai flippé qu'il s'arrête sur le x15. Alors on change de pièce, on a des multiplicateurs un peu plus intéressants. Mais est-ce qu'on va arriver à rentrer dans l'exclusive room? Ça c'est pas garanti. Non, pas le x20, pas le x20. Allez, je prends la même, celle du milieu. Allez hop, là-dedans. Non. Et le x38, le petit rat. Allez, 760. Ah, du coup, on va tenter de chercher d'autres bonus. Allez, vas-y. À une plume près. Allez, le wheel bonus, et je pense qu'après ça, on peut quitter la partie. C'est clair que quand le joueur y voit ça, il va se dire tiens, bah une plume près, on poursuit la partie. Allez, go! Alors, est-ce qu'il va être autant généreux que lors du précédent wheel bonus? Bon, bah après ça, arrête partie direct, je vais lâcher l'affaire, je vais pas chercher le bonus du mousquetaire vert, le x18. Pas terrible. Hein. Pas terrible. Et voilà, générosité tout le temps éphémère avec ce genre de jeu. Alors, 360. 4376. Bon, on va rester là. Ouais, c'est vrai que celui-là, il n'y a pas grand-chose de manquant, mais quand même... celui-là, c'est un petit escroc. 4376, autant rester là, puis se barrer. Alors, 4376, mise à 40. On va rester sur des mises comme ça. Voir si ce jeu est généreux ou pas. Alors pour le moment pas grand chose. Joker aléatoire, un 5 of a kind. Alors 240.
qu'on va réussir à faire augmenter la taille des jokers. Ça risque éventuellement de coûter cher avant d'y arriver. Alors, un petit wild ici. Apparemment, quand on a les petites pièces, il faut du wild avec pour que ça augmente la barre. Le niveau de la barre de bonus joker. Alors, les wilds, ça fait un petit moment qu'on les voit plus. 3508, j'avais commencé à 4003, 4376. Mr. Wild, on le voit plus. Bon, ben comme quoi, vive les machines à sous, collecter les pièces pour augmenter la taille des jokers, mais vu qu'on n'a jamais de pièces, enfin ou très rarement. On est parti pour dégringoler en dessous de la barre des 3000. Peut-être que je me suis un peu trop enflammé avec des mises à 40, j'aurais peut-être dû tenter avec des mises à 20. Mais bon, plus les mises sont élevées, quand ça paye, plus ça rack. Bon, bien sûr, quand ça paye pas, c'est l'inverse. Alors, les petits jokers aléatoires, 380. Alors, on remonte à 3820. Ça augmente, mais pas très vite. Apparemment, la probabilité pour les wilds d'apparaître sur ce jeu, elle a l'air relativement faible. Alors, de la pièce. On va être bientôt en mode upgrade de wild. Enfin, je dis bientôt, ça c'est pas sûr. Alors,
On passe en dessous de la barre des 3000. Alors, est-ce que ça va nous flinguer le bébénec? Donc, pas de bégouine monstrueux jusqu'à présent. De toute façon, je vais poursuivre encore la partie, j'attends le wild upgrade. Il n'y a pas encore. Alors, 2005, on s'est bien fait torcher pour le moment. Alors, est-ce que ça suffit? Pas encore. De toute façon, on va voir ce que ça va donner tôt ou tard. Alors, là je pense que ça va être peut-être intéressant. Allez, upgrade to Big Wild. C'est déjà un bon début. Bon, ça aura quand même coûté cher, si on met un petit coup d'œil par là. Alors, 300 balles. Déjà, ça a pris une plombe pour arriver au niveau 1 du Wild Upgrade, donc pour arriver au niveau 2, je pense que ce sera peut-être le triple 0 entre temps. Alors, super Big Joker. C'est bien beau d'avoir des gros jokers, mais encore faut-il qu'ils apparaissent sur le jeu de base. Alors, Big Joker. Il faudrait quand même que le jeu nous racle un petit win sympa pour remonter un peu le tout. Alors. 152. Pas mal de spins perdants, donc forcément ça pique du côté de la balance. Alors, super wild de retour peut-être. Ouais, super wild des zero win à la clé. Ah ouais, dommage, c'est du lot symbole ici sur le rouleau 1. Allez, est-ce qu'on va arriver au niveau suivant? Allez, 2000 pile poil. 2367 de cramé depuis le début de la partie. Pas grand chose en retour.
Super Wild n'apparaît pas quand on a plein de petites pièces. Alors, 1632. Bon, ben là, ça nous sonne le début de la fin. Bon, ben, Super Wild, il est pas très efficace sur ce jeu apparemment, enfin sur cette partie. Bon, bien sûr, ça reste une machine à sous, des fois ça paye, des fois ça paye pas. Et ouais, pas mal de pièces, pas de wild, dommage. Alors du wild, 0 pièces à la clé. Ah, 1188 big win. Bah tant mieux, parce que là quand même on était un peu mal au niveau de la balance. Enfin un peu mal, même plus que mal. Alors de la pièce. Ça c'est encore un bon système pour garder le joueur scotché devant la machine à sous. Il tente de faire progresser les niveaux. Big win 720, 2588. Alors, super big wild, à quand le retour? Alors, 2000. On va se taper un arrêt de partie direct, peut-être éventuellement un petit round 2 tout à l'heure, enfin un petit peu plus tard, enfin on verra, ou basculer sur un autre jeu. Hop là, les go pour un round 2 sur le Zillard King. Alors il nous restait 2004. Je voulais basculer sur un autre jeu, puis je me suis dit, bah tout compte fait, je vais rester sur celui-là, voir s'il y a moyen de gratter encore du Big Joker. Big Joker qui était pas très présent sur le round 1. Alors, là ça sent la big pépette. Ben, joli. Oh, 4002 de bordel de grand-mère. Bordel à chiotte. Alors, ça du coup c'est magnifique. On remonte à 5964. Ben, comme quoi j'ai eu raison de vouloir ranker un round 2. Et là on va pouvoir partir à la chasse du Big Joker. Parce que là quand même, ça sentait l'appel du triple 0 pointé. Alors ça finit par raquer quand même, après s'être fait bien fait défoncer comme il faut. De toute façon les big wins comme ça c'est relativement rare, il faut jouer pendant une plombe avant de pouvoir éventuellement en décrocher un. Ben, jolie performance, on va tenter de ne pas se faire cramer le bénéf, mais bon ça c'est au bon vouloir des machines à sous. Allez, Big Joker upgrade, on attend, on attend. Pas une seule pièce malheureusement. Il va augmenter le niveau. Là, je
crois que c'est encore une tentative qui va éventuellement coûter cher. J'attends désespérément le big joker, mais celui-là il se manifeste pas très souvent. Alors, 4468, ça redégringole. Joker il se manifeste quand il veut avec des petites pièces à la clé serait que mieux. Elle a encore 400. On repasse au-dessus de la barre des 5000. Bon, le Big Joker il n'y a plus. Après, de la façon dont est programmé le jeu, enfin j'en sais rien, mais il est fort possible qu'au fur et à mesure que les jokers sont en mode upgrade, moins ils apparaissent. C'est tout à fait possible au niveau de la programmation du jeu. Alors, trois petites pièces. Encore 3, est-ce que ça va suffire? Pas encore. Allez, go! Alors, c'est la bonne. Brain random multiplier. Allez, go! Bon, bah, s'il faut, vu qu'on atteint ce niveau, le joker il va encore moins apparaître. Deux. C'est vrai que maintenant sur le joker on a un multiplicateur aléatoire. Bon, je pense que le x2 c'est celui qui va sortir le plus souvent, éventuellement du x10 ou du x20. Je me fais pas trop d'illusions. Alors toujours au-dessus de la barre des 5000. Ah, mais dommage pour l'œuf sur le rouleau 1. Est-ce qu'on va arriver à atteindre le full level, le top niveau pour les jokers? Là, je pense qu'avant d'y arriver, on peut arriver, entre-temps arriver sur un triple 0 pointé plusieurs fois. Alors, x2, 0 x2 égale 0. Dommage, on est passé en dessous de la barre des 4000. Allez, super white x2.
Alors voyons voir. Allez, Big Win 600. Hop, retour du chiffre 4. Bon, je pense que je vais lâcher l'affaire sur ce jeu. Je pense pas que je vais tenter d'arriver au top niveau. Là, depuis qu'on a atteint ce niveau 2, on n'a plus une pièce pour nous faire monter. Pour nous rapprocher du niveau 3. Je pense qu'éventuellement, ce serait pas une bonne idée de tenter de gagner cette option. Alors, voyons voir. 760 Big Win. Oui, il est quand même pas mal ce jeu, il a son potentiel, mais il a aussi son potentiel pour bien bouffer la balance. Alors, puis de Wild. 552. Pas très loin du chiffre 5. On a quand même collecté un peu de pièces. Bon, malheureusement, le wild il apparaît pas très souvent. Super Wild, 0 pièce à la clé, 0 win non plus. Alors, à quand le retour des Big Win? Alors, est-ce que ça sent le Big Win ici? 696. Ouais, c'est dommage quand on voit toutes ces pièces-là, pas de wipe pour nous les balancer ici. Alors, wild x2 avec les œufs. Hop. 800 balles. Et c'est le retour du chiffre 5. Allez, 5000 arrêts de partie. Hop. Voilà, bah du coup, arrêt de partie direct. Peut-être faire une tentative sur un round 3. Mais ça, je vais y réfléchir. Parce que ça a l'air un petit peu tendu, apparemment. Allez, go, tout compte fait, je me suis lancé sur un round 3 sur ce jeu, donc on va tenter d'atteindre l'option maximale pour les jokers. Alors, on est à 5032. Ah, Big Pépette. D'entrée, premier spin à Big Win. Je pense que celui-là, il va être super big. À 880, je pense qu'éventuellement, ça racrait un petit peu plus. Enfin, on va pas se plaindre, on s'approche du chiffre 6.
sais pas si je vais atteindre le top niveau au niveau des jokers, mais on va quand même tenter pour voir. On s'était rapproché du chiffre 6, là on se rapproche du chiffre 4. Les Big Joker, il est temps de nous faire une petite apparition. Super Well qui s'est barré sous nos yeux. Il est là, on a quelques pièces en plus. Alors, est-ce que ça va raquer un gros truc? Eh, hey, 2416, hop, 5 et 2, 7. Allez, go, chiffre 7. Bon, pour le moment, le round 3, c'est sans regret. Espérons que le jeu va continuer à se lancer, c'est-à-dire nous faire gonfler la balance, que là, elle a quand même bien gonflé, faut être réaliste. Bon, je précise, c'est un coup de bol, ça reste une machine à sous, des fois ça paye, des fois ça bouffe tout. Ouais, sur plusieurs joueurs, certes, le seul gagnant, c'est le casino. Le chiffre 7. Je sais pas si je vais arriver à encore upgrader le joker, c'est clair qu'il manque encore pas mal de petites pièces. Ça va pas être garanti de pouvoir collecter tout ça. Superwell nous a fait une apparition, 0 pièce à la clé. Bon, on a fait quand même la moitié du chemin pour arriver au top niveau, mais il reste encore du boulot. Le joker se fait rare, là pareil on avait plein de pièces, pas de joker à la clé. Alors, Super Wild, 1, 2, 3. Entre les jokers upgrade, les pièces à collecter, les multiplicateurs, ça doit être un sacré bazar pour les mathématiciens pour calculer le taux de redistribution de ce jeu. C'est clair, les mecs ils doivent se faire fumer le cerveau à calculer tout ça.
Un super wild x2, pas de pièce à la clé. Est-ce qu'on va arriver à upgrader le top niveau pour les jokers? Des petits wins pour le moment, on conserve le chiffre 6. Et ouais, super wild, il faut jouer je sais pas combien de parties avant qu'il apparaisse. Pour qu'il y ait des petites pièces à la clé, ça c'est pas gagné non plus. Alors, passe en dessous le chiffre 5, le chiffre 6. Alors super wild, ça fait une plombe qu'on le voit plus. Et ouais, x2, 0 pièce à la clé. Je pense que c'est peut-être pas une très bonne idée de continuer la partie pour tenter d'atteindre le top niveau. Petit retour temporaire du chiffre 6. Ouais, c'est ce qui me semble, je sais pas si c'est une impression, mais plus le niveau augmente, moins les wilds apparaissent. Ah, 1, 2, pas mal de pièces. Bon ben là pareil, le niveau il est presque en haut, donc ça motive le joueur pour rester sur ce jeu. Petite option sympathique de la part des programmeurs de machines à sous. Alors, wild x3, 0 x3 égale 0. Il nous manque quelques pièces pour atteindre le top niveau pour l'option du joker. Et ça m'étonnerait que j'arrive à les gagner tout de suite. Alors, wild x2. Ça y est, on atteint le top niveau. Alors, qu'est-ce que ça va nous filer? Random Multiplier plus Tiki Wild. Allez, on va essayer ça. On est à 5220. Unlock High Paying Symbols Only. Ok. Alors, est-ce que ça va être intéressant? Hop, du coup, on a un roule en plus. Sticky Wild. Là, s'il faut, vu qu'on atteint le top niveau, le wild il va peut-être être hyper rare pour se manifester. Alors, on atteint le top niveau, mais est-ce que la machine à sous a son top potentiel? Alors, Joker Sticky Wild, mais celui-là, je pense qu'avant d'apparaître. Il va falloir jouer pas mal de parties. Et allez, hop, on va voir le chiffre 5. Et ouais, le wild, on le voit pas. Il s'est pas encore manifesté.
Alors, 4472, si ça dégringole encore, on pourra dire que c'est un joli piège. Enfin, on va pas se plaindre, on a quand même bien fait fructifier la balance. On aurait pu à de maintes reprises terminer sur un triple zéro. Alors, Super Wild, total absence. Et voilà, chiffre 3. Alors, on va quand même pas passer en dessous de la barre des 3000 sans avoir eu un joker. Alors, Wild x2 Sticky, enfin il a paru. Alors, 328. Dommage, dommage, j'aurais pu me filer des œufs là sur le rouleau 2. Oh, il est reparu, je pensais pas qu'il allait se remanifester. Quatre 4812. Allez, x4. C'est vrai, dommage. Ah, plus de joker, ça c'est pas mal. Alors, voyons voir, voyons voir. Hey, 2704. Super win. Eh ben, il était temps que le joker y fasse son taf. Et il est encore là au x5. 180. Toujours là au x6. Dommage, il m'a pas filé de big symbole. Alors 840. Chiffre 8. On n'est pas loin du chiffre 9. Alors il est encore là. Dommage qu'il me file du low symbole, c'est vraiment dommage. Allez, x10, file-moi des gros trucs. Ah, c'est peut-être pas mal. 1760. Ah, dommage, 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 dommage. Eh ben, balance à 5 chiffres. C'est quand même magnifique. Bon, ben, je me fixe une limite à 10 000 balles, puis je lâche l'affaire, parce que quand même, je pense qu'on a eu le top du top au niveau joker. Je pense qu'avant de reproduire ce scénario, hey, il est encore là. Alors on va voir. Allez, encore du win. Tant qu'il y a du win, joker il est statique. Eh ben ouais, les bonnes choses ont une fin. De toute façon, ma limite elle est fixée à 10 000 balles, donc 604 à jouer. Peut-être avec un petit peu de bol, encore un petit round de Mister Joker. Bon, ben joli round 1 sur ce jeu, joli round 2, joli round 3. On a réussi à atteindre le top niveau des jokers, on a une belle série de respins avec des beaux multiplicateurs. Allez, encore un petit tour de joker avant d'arriver à 10 000. Il n'y aura pas de. Alors, limite fixée à 10 000. Bon, on va rester là. 10 024, c'est quand même trois parties magnifiques. Bon, je précise, c'est un coup de bol. Ça reste une machine à sous comme une autre.
Des fois ça paye, des fois ça paye pas. En tout cas là c'était quand même en mode générosité. Un sacré moment même. Alors voyons voir. On va attaquer d'entrée avec des mises à 40. Allez c'est parti. Espérons que le côté pile ou face de ce jeu soit en mode générosité. Alors wild plus wild, crazy wild, ok. J'étais en train de lire ce qui était marqué en haut. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai plus joué à ce jeu, donc je me rappelle plus trop de des bonus. Alors un petit wild. Ah, un deuxième. Alors voyons voir ce que ça va raquer. Ok, 276. Petite série de spins perdant, on va tenter hop les mises à 60, donc ça va peut-être flinguer la balance si le jeu y paye que dalle. Ça on va voir. Non, la série de spins perdant qui est pas encore terminée. Petit troisième serait l'embellie sur une mise à 60. Il s'est barré devant nos yeux, le troisième symbole. Bon ben la série de spins perdants, du coup ça plombe la balance et ça la plombe à une vitesse relativement impressionnante. Alors 276. De toute façon, on arrive à 2000, je vais devoir baisser les mises, donc espérons que ça paye un petit peu entre temps. Alors, super wild. Eh non, pas de bonus. Est-ce qu'on pourrait avoir le coup de la chance du débutant d'avoir les trois symboles de bonus assez rapidement? Bon, ça malheureusement ça arrive pas très souvent. Alors wild plus wild plus wild, crazy win. Ça pourrait être aussi une option sympa. Alors on est passé en dessous de la barre des 2000. Hop. Bon, ce serait dommage de terminer à zéro sur ce jeu. Après les précédentes parties relativement chanceuses. Alors, allez, un petit coup de minage.
Donc vas-y, tu peux taper, hein, fais-toi plaisir, n'hésite pas, continue, continue. Tu peux continuer. Alors 600, 700, 720, ok. Alors du coup on remonte, plus le win de la ligne, 2488. Donc moins 1006 à peu près par rapport à l'avance départ de ce jeu. Ah, 572. Pas de refus. Bon, j'espère que le jeu va me raquer les trois symboles bonus ou alors les triples wild. Le genre de truc qui sort plutôt très rarement. Alors 2380. Bon, après ça paye rarement, mais généralement quand ça paye, c'est des petits montants sympas. Alors un seul, ah non, un deuxième. Alors combien va nous ramener? 700 balles comme tout à l'heure, un petit peu plus peut-être. Vas-y, vas-y, vas-y. 7, 720 balles. Allez, chiffre 3 de retour. On va se refaire une petite tentative avec des mises à 60. Vu qu'on est remonté à 3000. Allez, le bonus à 60 balles. Eh ben non, il s'est barré sous nos yeux. Faux espoir. Le truc aurait pu rapporter gros, mais malheureusement le troisième symbole il s'est pas manifesté. Bon, mise à 60, quand ça dégringole à 2000, retour sur des mises à 40. Donc est-ce qu'entre temps il y aura du win? Et on est bientôt arrivé à 2000. Hop, bien tenté, mais c'était pas gagné. Alors, la mine au trésor, est-ce qu'elle va nous prendre ses trois bonus, trois symboles bonus ou les triples symboles joker? On attend, mais pour le moment, que dalle. Là, ça a bien dégringolé.
pas tarder à passer sur des mises à 20 balles. Et ouais, c'est le néant niveau bonus. Alors, 1092. Ah, ok, on est passé en dessous de la barre des 1000. Mais l'autre mise à 40 et 60 balles, ça aura pas rapporté. Alors, suspense, il se barre sous nos yeux, voilà. C'est pas la première fois. Alors, 1. Le deuxième nous est passé sous le nez. Alors, 1040, hop. Voilà, pas de win à la clé. Peut-être la dernière partie avant le triple zéro pointé. Alors, un seul, toujours un. Un deuxième, un petit troisième, non? Ça va nous rapporter du lourd. 242. Malheureusement, on n'a pas eu le troisième wild pour le crazy win. Alors, qu'est-ce qu'il va nous filer? En somme 2. Allez, on va tenter un petit spin chance. Hop. Voilà, apparemment, c'était la version pas de chance. Alors on a gagné 80, on va essayer ça. Bon ben moi je suis toujours à croire au miracle, mais ça marche pas tout le temps. Alors le troisième, est-ce qu'il va se barrer sous nos yeux ou est-ce qu'il va rester là? C'est pas la première fois qu'on voit le troisième symbole se barrer sous nos yeux. Ouais, plutôt que basculer sur ce jeu-là, j'aurais peut-être dû peut-être tenter un quatrième round sur le Zillar King. Mais bon, ça reste un jeu de machine à sous comme un autre. Des fois ça paye, des fois ça paye pas.
C'est la version plutôt en faveur du casino, la version qui nous bouffe la balance. Alors là, ça sent le triple zéro. Pas de troisième, malheureusement. Alors, ici peut-être Five of a Kind. Alors, Big Pépette, on a 502. Alors, je suis curieux, 536. Ça nous aura fait remonter à 1000 balles, mais je pense que c'est retarder l'échéance jusqu'au triple zéro. Vu apparemment comment c'est parti. Bon, on n'aura pas eu les triples symboles bonus jusqu'à présent, les triples wine non plus. De bonus qui pourraient éventuellement payer pas trop mal. Ah, 686, je me tâte pour mettre des mises à 40, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Tentative. Alors, est-ce qu'il va y avoir du win à la clé ou est-ce que ça va nous ramener à zéro plus rapidement? Moi, je pencherai plutôt pour la deuxième option, sauf si. Et là, il va encore nous balancer son leurre, voilà. Alors, 1. Toujours un. Comme d'habitude, la chance a une fin avec ce genre de jeu. Un petit coup de bol sur les parties précédentes, mais là, celle-là. Et on va terminus, tout le monde descend. Alors, hop, mise à 20 balles. Allez, mise à 10. Et mise à 2 pour finir. Alors, petite cacahuète ici, 6,40. Allez, 40 centimes. Et voilà, le grand winner est le casino, donc pas de bol sur cette partie. Certes, ça aurait pu payer, mais ça reste un jeu de machine à sous comme un autre. Des fois, ça paye, des fois, ça bouffe. Tout là, on a eu donc la version où ça a tout bouffé. Bon, prise de risque avec des mises relativement élevées, mais quand ça paye pas. Au final, hop, le gagnant, c'est The Casino. Allez, ce sera que partie remise.